Vous savez, quand on monte un organisme de Torah ou même de Chesed, il faut comprendre que cela demande beaucoup d'investissement et aussi de temps. Et puis, on a envie que les plus grands de la Torah reconnaissent non seulement votre travail, mais aussi le bienfait que cela procure. Et un jour, j'avais demandé au Rav Yaakov Sitruk. Et il me dit, lorsque ton père viendra en Israël, est-ce que je pourrai le rencontrer? Je lui réponds, t'inquiète pas. Il doit justement arriver la semaine prochaine. Je vois avec lui son emploi du temps et j'essaie d'organiser un petit moment pour toi avec lui. J'étais content de savoir qu'il allait venir. Et passe 2 jours, Rav Yaakov m'appelle et me dit « Shimshon, j'ai un rendez-vous. Est-ce que tu peux venir demain matin, jeudi, à son domicile ?» Je réponds directement oui et j'appelle aussitôt Nathan, un de mes meilleurs amis, qui est aussi caméraman. Donc du coup, il me dit « Regarde, demain, est-ce que tu peux filmer le grand rabbin de France, le Rav Sitruk ?» Pour moi, j'ai même pas hésité une seule seconde, j'ai même pas regardé ce que j'avais dans mon planning. Rien que de filmer le grand rabbin de Sitruk, un grand tzaddik comme ça, pour moi, c'était très important, donc j'ai dit oui tout de suite. On est donc jeudi 15 août 2013, je suis arrivé en avance et je vois qui ? Nathan. Oui, j'étais déjà là, j'étais très impatient de voir le Rav. Shimshon et Nathan rentrent, ils s'installent et je leur dis « Attendez quelques instants, mon père arrive. » Je ne sais pas comment vous dire, on était chez le grand rabbin de France. On a eu cet honneur-là. Et je me disais au fond de moi-même « Merci Hachem, merci !» Le Rav approche doucement, il s'installe à une table et moi j'étais prêt pour le filmer. Et là, je rappelle à mon père, Zichrono Livracha, qui est Shimshon. Shimshon, c'est le petit-fils de M. Salfati, Zichrono Livracha, que mon père aimait beaucoup. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans les derniers instants de la vie de M. Salfati, mon père est venu le voir et il lui a fait mettre les téfilines. Pas n'importe quelle téfiline, les téfilines que mon père m'avait achetées pour ma bar mitzvah qui n'avait pas encore eu lieu. Il les a donc mis avant moi. Ce geste pour notre famille était tellement énorme que mes parents nous ont donné cet amour envers la famille Sitruk. Et puis, Shimshon explique à mon père, avec beaucoup plus de détails, ce qu'il attendait de lui pour la vidéo. À l'époque, avec Shimshon, pour Israël Torah, donc, on était obligé de voyager partout en Israël. On allait, on filmait des rabbanim un peu partout. Et au final, ça coûtait énormément de frais. Donc du coup, on faisait des DVD qu'on vendait à la fin des conférences. Mais ça comblait vraiment pas tout le travail qui était apporté derrière. Donc on avait vraiment besoin du Rav Sitruk pour nous aider à continuer dans ce qu'on faisait. Et là, il me pose une question. Écoutez bien, parce que c'est un moment qui est très important pour nous déjà et aussi pour ce qui va suivre. Donc du coup, le Rav, il regarde Shimshon et il lui dit la vidéo que tu veux, c'est pour quoi faire? C'est pour un gala ou c'est pour toucher tout le monde? Et là, du coup, Shimshon, il lui dit c'est pour toucher tout le monde, Rav. Nathan commence à filmer et le Rav se met à parler de Israël Torah. Mes chers amis, lors de mon passage à Jérusalem, j'ai eu le bonheur de faire la connaissance de Shimshon Atali et de prendre la mesure de son initiative remarquable sur Torah, Israël Torah. Donc jusque-là, le Rav, il veut aider Shimshon. Donc il est là et il commence à parler par rapport au fond, etc. Et je peux vous dire, connaissant Shimshon d'abord de réputation, vous savez, les bonnes réputations, on met beaucoup de temps à les établir, et les mauvaises, ça se passe très vite. Donc, s'il avait une mauvaise réputation, je le saurais déjà. Pour la bonne réputation, il l'a construit tous les jours. Il essaie de faire un travail de Shem Shammai et mérite par là même notre soutien. Or, je voulais, moi, par ces quelques mots, dire à tout le monde, venez l'aider, venez participer. Et d'un coup, il commence à nous parler d'un sujet où il n'avait vraiment pas l'habitude de s'exprimer. Tâchez de réaliser que nous vivons une époque extraordinaire. Nous sommes revenus sur la terre d'Israël. Nous sommes à l'aube de l'ère messianique. On voit se réaliser tous les jours les névouot, les prophéties contenues dans les prophètes, les annonces faites par nos chachamim sur ce qui va se passer à la fin des temps. Et il faut être dans le coup. J'étais tellement surpris
que je me retourne en direction de Nathan et je vois que Nathan, lui aussi, fait la même chose en me regardant. Il y a deux choses. Ou bien on regarde passer le train, ou bien on monte dans le train. L'objet de mon propos est de vous inviter tous à monter dans le train, surtout qu'actuellement il y a une promotion, c'est que les places de première classe sont au prix de la deuxième classe. D'un coup, on se regarde et on se dit mais c'est incroyable, parce qu'au fond de nous-mêmes on se disait mais il est en train de nous offrir un message énorme, unique à diffuser. On a remercié le Rav et son fils, Rav Yaakov, et lorsqu'on est sorti, on se disait mais c'est énorme, c'est énorme, c'est un truc de fou. Nathan n'en venait pas, et moi je me disais toujours au fond de moi-même merci Hachem, merci. C'est incroyable. Mais l'histoire, en fait, elle s'arrête pas là. Elle est encore plus belle, et vous allez comprendre. Un an après, j'appelle Stéphane, Eric et Fabrice, trois amis, et je leur dis que j'ai l'intention de faire un film sur la terre d'Israël, sur l'importance de la terre d'Israël. Un film pour donner la émouna chez les mains, la foi en la terre. Et je me disais, si ça peut faire plus, c'est-à-dire donner l'envie de monter en Israël, j'en serais ravi. Donc du coup, il est là, il m'en parle et il me dit « Nathan, je dois absolument faire ce film ». Il avait même pas encore écrit le scénario, je pense qu'il avait encore tout dans sa tête. Mais il me dit « J'aimerais qu'on fasse la première scène le 3 août 2014 pour la soirée des 9 ans d'Israël Torah ». Je voulais qu'on filme cette scène devant du public pour faire parler du projet et que ce projet se finance par tous les juifs qui aiment la terre d'Israël. On fait donc cette bande-annonce avec cette scène et passe à peu près 2 ans. Donc on est le 10 mai 2016 et après 2 ans de travail, le film est enfin fini. On avait une programmation pour le 29 mai au Cinéma City de Jérusalem. Et là, d'un coup, Shimshon, il me regarde et il me dit... Tu sais, on avait filmé le Grand Bain de France, le Rav Citruc, il y a 3 ans. J'aimerais rajouter, à la fin du film, son message. Donc, quand il me propose ça, moi, je lui dis, écoute, je pense que c'est une super idée. Donc, on va, on s'installe, on est là à la station de montage et d'un coup, il me regarde et il me dit, attends. Attends, même si la vidéo nous appartient, je veux quand même avoir la permission du Rav. Je fais en règle générale très attention à l'image des rabbanim et je me suis dit que peut-être mettre un message dans un film, c'est différent. Alors j'appelle son fils, le Rav Yaakov. Et là, Shimshon m'explique qu'en fait, il voudrait terminer le film avec le message de mon père. Je lui dis, écoute, malheureusement, mon père n'est pas très bien. Il faut que demain, je parte un peu en urgence, justement pour aller le voir. Appelle-moi après-demain et je verrai avec lui si toutefois je peux lui poser la question. Et là, c'est un moment très difficile. Je comprenais que la situation était très compliquée concernant la santé de son père. Yaakov fait beaucoup d'allers-retours entre la France et Israël. Alors lorsque j'appelle, j'ai un peu honte. Oui, j'ai honte. J'ai honte de déranger. Et Rav Yaakov me dit... À nouveau, je dis à Shimshon, je lui en parle et je reviens vers toi. Il me rappelle 30 minutes après et il me dit « Mon père veut revoir la vidéo qu'il t'a fait. » Je lui renvoie après 5 minutes. J'appelle Shimshon. Cette fois-ci, sur le bon coup de fil, je lui dis « Mon père est d'accord pour que son message soit diffusé à travers ce film. » Et là, je ressens un sentiment très étrange, comme une sorte de frisson. Content bien sûr de mettre ce passage dans le film, mais triste aussi d'entendre dans la voix de Rav Yaakov les nouvelles de son papa. Il fallait prier. Je ne savais plus quoi dire, plus quoi faire. Je raccroche, j'ai comme un moment d'absence. Et là, je me dis que je viens de recevoir une nouvelle foi, avec l'aide d'Hachem bien sûr, ce même message, encore plus énorme que la première fois. Donc du coup, pour nous, le fait que le Rav veuille réécouter le message,
Et que suite à ça, il nous donne la permission, il nous donne son ishour pour pouvoir le diffuser. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est à quelques mois de son décès et on avait vraiment l'impression que c'était un message qu'il voulait vraiment faire passer à toute la communauté juive de France, à sa communauté. Parce qu'il ne faut pas oublier que les juifs de France, c'est vraiment la communauté du grand rabbin Sitruk. Cette communauté que le Rav, il a fait grandir, aidé, c'était vraiment sa communauté. Je pense que c'était pour nous dire que c'était vraiment le moment, le bon moment, et qu'il ne faut pas louper le train. Comme si il voulait nous dire ou nous prévenir qu'après ce sera trop tard, qu'on ne pourra plus le prendre le train, ou que ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il a vu que nous n'avons pas vu? Qu'est-ce qu'il a compris? Une chose est certaine, lorsqu'il nous a quittés, il nous a laissé un choix à faire. Je rappelle sa phrase, « Venez nous rejoindre en Israël ». Il a exprimé par là quelle était sa volonté profonde. Donc venez vite nous rejoindre, participer, avancer, savourer le bonheur d'être juif en sachant pourquoi et en voyant comment. Donc du coup après ça, Shimshon il diffuse au maximum le message. Nous aussi on essaye vraiment de faire tourner la parole du Rav, ce qui a été dit le plus possible, pour aider sa communauté à partir, ou au moins à s'y préparer, si c'est pas trop tard. Parce que pour moi, ce message, c'est le message du grand rabbin de France. Vous savez, ça restera toujours, pour ceux qui l'ont connu, le grand rabbin de France. Et vous comprendrez pourquoi son message a plus d'ampleur lorsqu'il nous le délivre une deuxième fois, surtout dans un moment de sa vie qui était très compliqué. Alors je continue toujours à partager ce message et j'espère que c'est encore le bon moment et qu'il reste encore des places. Mars 2020, un virus se propage dans le monde. Les pays ferment leurs frontières, Israël aussi. Et là, cette phrase qu'il avait également dite résonne dans nos têtes. Le génie, avait-il dit, c'est d'être là quand il faut. Le génie, c'est d'être là quand il faut, au bon moment. On avait écrit ce message avant le corona, et on le réalise que maintenant, c'est peut-être que Hachem, il nous demande une nouvelle fois de vous dire que c'est encore le bon moment, mais jusqu'à quand ? Le bon moment, c'est maintenant. Là où il faut, c'est Eretz Israël. Alors, on se donne la main et on fonce tous ensemble. Bien, Sarah.